Après 6 ans de participation aux 12 heures d'endurance de la TUC, je réalise un vieux fantasme, venir ici au Mondial du Quad à Pont-d'Eau en France. Le Mondial du Quad, c'est l'ancêtre du 12 heures de la TUC. C'est la 30e édition, c'est gros. Il y a plein de pays qui viennent ici participer. La grosse classe est le quad, au-dessus de 200 quadistes. Il y a une classe autoquad, on est 28. Et moi, je vais participer dans la grosse classe un coup-ci, la classe 8. J'ai une fine équipe qui est venue avec la collaboration de BRP Can-Am, Canada et France. Des gens qui viennent d'Aix-en-Provence, des vrais passionnés, ils m'ont préparé un Maverick Turbo. Enfin, je vais pouvoir l'essayer en course. Un gros contrat, 5 manches de 45 minutes. Et exceptionnellement, ce tournage a été réalisé sur l'espace d'une semaine. Pont-de-Vaux arrête la ville. Tout arrête pendant une semaine. Les rues sont bloquées. Les gens participent à des activités. C'est vraiment un événement exceptionnel. Nous, on le découvre depuis plusieurs jours. On est en ce moment en plein dedans. Et puis, je vous souhaite un excellent show Octane. Alors, pour la prochaine demi-heure, je vous souhaite une belle découverte du Mondial du Quad. C'est officiel, le Mondial du Quad est commencé. J'ai fait mes premiers tours de piste avec mon Maverick 1000cc. Et ici, ils ont bloqué la rue au complet. Tous les pilotes quad, tous les pilotes en autoquad vont se présenter. C'est la parade officielle. La ville vit pour le Mondial du Quad. Et nous, on est ici! Pont-de-Vaux est possédé par les autoquads et les motoquads. Ça, c'est du barbecue! Comme toute compétition qui se vaut, une inspection technique est obligatoire, autant pour la machine que pour moi. Il a fallu que je prenne une licence de la Fédération française automobile pour la fin de semaine de course. Il a fallu que j'aie une inspection médicale. Ça n'a pas fait mal, je vous rassure. Et maintenant, notre collègue Marc est en train de passer avec le président de la Fédération française automobile pour avoir toutes les spécifications. Et c'est beaucoup plus compliqué que chez nous. Ils sont vraiment, vraiment spécifiques. En plus, on est obligé de porter une tenue anti-feu. Alors, il va faire chaud en dessous du casque dans le cockpit avec un turbo qui va miauler. Mais ça va être bon pour ma ligne, je suppose. À première vue, quand on compare notre pit par rapport à d'autres événements ou même des trucs qu'on a au Québec, ça a l'air petit, ça a l'air modeste, mais détrompez-vous, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on a besoin est ici. Génératrice, compresseur, un gros cric, des roues de rechange, des outils. On a même un cadeau pour se déplacer sur le site. Alors Marc, il a pensé à tout. Un gros merci et c'est pas la dernière fois que je vais te remercier. Bon, on va aller visiter ensemble la ligne des puits. Elle n'est pas finie encore, la ligne des puits. Elle est longue, la ligne des puits. Ouais, c'était vraiment une très longue ligne de puits. Marc, officiellement, au début, quand je me suis inscrit, on me dit que je serais dans la classe 6, mais ils viennent tout juste de créer la super classe qui est la classe 8. Ça correspond à quoi? C'est simplement pour les modèles turbo modifiés. C'est-à-dire que les turbos peuvent être d'origine, ils vont aller en classe 6. Et là, on a une super catégorie turbo modifiée. Quelle est la largeur maximum des roues permises? On va être sur 182-180 cm. Et moi, je suis à quoi ici sur le véhicule? Nous, on est à 172. Alors, l'avenir nous dira si on a fait le bon choix de la classe. Exact. Ah! On verra. C'est à venir!
on le voit, c'est un événement en route. C'est le plus gros événement en route en France. Les amis coureurs nous ont dit pourquoi à Pombeau vous ne faites pas des courses, parce que vous avez beaucoup de place. Et on est parti comme ça. On est parti sur une idée de copains. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est le calibre. Je fais la classe SSV autoquad, comme on dit chez nous. Je pensais pas que ça allait rouler aussi fort. Il y a des pilotes confirmés comme Van Berreven, qui est un pilote moto spécialisé sur le sable, pilote tout-terrain. Il a gagné 3 fois l'Enduropal du Touquet. Vous avez Stéphane Chambon, qui a fait plusieurs titres de champion de France de supermotard. À la fin du compte, c'est le plaisir, il faut s'amuser. Moi, que je sois en avant ou en arrière, ça me dérange pas, je m'amuse. Nouvelle piste, nouveau monde, nouvelle machine, des nouveaux copains. Je suis au paradis. Je vais même te dire, mondial du code de Pont-de-Vaux, saut d'approbation de Tom! Je viens de faire ma première pratique et la qualification chronométrée. J'espérais faire un top 5, j'ai un peu d'expérience, mais ça s'appelle le mondial du quad. Alors, il y a des Hollandais, des Anglais, des Français, des Italiens, un Canadien. Il y a plusieurs facteurs qui font que je crois que je suis 13e, une nouvelle machine. Je connais le Maverick, mais celui-là est un peu différent. La texture de la piste, les pilotes qui connaissent énormément ce style de texture-là, qui est de la glace tapée bien dur. Il fait chaud, c'est dur pour les machines, c'est dur pour les gars, mais si c'est dur pour moi, c'est dur pour eux autres aussi. Et ce qui s'en vient en avant nous autres, c'est 5 manches de 45 minutes. En ce moment, le soleil commence à tomber, on a 2 manches à venir, une manche de jour et une manche de nuit totale, étant donné que c'est retardé. Alors, je vais faire ma première manche de côte à côte dans la nuit totale. Premièrement, j'ai terminé, j'ai fait une crevaison dans le premier quart, j'ai dû perdre à peu près 5 tours. J'ai réattaqué au maximum, j'ai dépassé quelques personnes. Je ne peux même pas exprimer à quel point j'ai chaud. J'ai l'impression que j'ai une fièvre de 60 degrés. Je me ramène rapidement pour m'hydrater. On se revoit dans quelques secondes. Exceptionnellement, entre les 2 manches, on a seulement 30 minutes avec un cardan de cassé. Marc et ses mains expertes ont réussi à réparer de peine et de misère. On est déjà en pré-grille. Si je manque la pré-grille, je suis pénalisé, je pars à la queue du peloton. Donc, je suis stand-by, prêt à partir. Mais je pense que, comme ils disent en France, ça va le faire. Vous savez, pas besoin d'avoir une grosse équipe pour être efficace. Grâce à toi, Marc, j'ai réussi à faire ma 2e manche. Tu as réparé le cardan et la roue en 12 minutes à peu près. Oui, on a mis 12 limites, 12 ou 14 minutes. On a fait ça pour Marc. Puis pour t'honorer et honorer Canam et toute la gang, j'ai donné tout ce que j'avais. Marc,
Est-ce que tu sais que ça fait 6 ans que je veux venir au Mondial du Quad à Pont-de-Vaux? J'ai voulu volontairement te prêter dans ma machine de course. Qu'est-ce qui a été modifié par rapport à l'origine, quand il sort du concessionnaire? Qu'est-ce que tu as fait dessus? Dessus, on a beaucoup préparé au niveau du châssis, suspension. Après, on a tout ce qui est motorisation, c'est-à-dire au niveau de l'électronique. Je te conseillerais personnellement de ne pas partir trop fort et d'essayer d'une régularité exemplaire, surtout dans les sauts de bosse. En grande partie, à cause de toi, j'ai réussi à avoir une belle machine, une belle assistance. Au Québec, je suis capable aussi d'inviter des bons pilotes. On pourrait peut-être faire un genre de petit team France-Québec-Canam en 2017. Je te fais une pré-invitation. Avanti au Québec. C'est gentil. Merci, Matt. Le bilan après 2 manches, une manche difficile avec une crevaison et un cardan de cassé. Ils ont réparé. 2e manche, j'ai attaqué au maximum, mais la chaleur est encore là. Le cockpit est extrêmement chaud. J'ai donné tout ce que j'avais. Je suis 6e overall ou 6e au scratch sur 27 équipes, ce qui est, à mon avis, inespéré. Il reste 3 manches. Je m'apprête à les faire la 3e. Il fait encore à peu près un 30-31 degrés à l'ombre. Ça va être encore très chaud. Mais le Mondial du Quad, c'est impressionnant. J'espère que durant l'émission, vous allez comprendre à quel point c'est gros, à quel point c'est important. C'est vraiment un événement à ne pas manquer, qu'on roule ou qu'on soit seulement spectateur. Alors moi, je retourne en piste. Salut! Troisième manche, on est toujours en course. On regardera le overall, le bilan après la 3e manche. Et puis, je vous revois à l'aube de la 4e manche. Puis entre-temps, regardez ça, on va faire un petit topo sur mes amis de Pont-de-Vaux qui nous ont hébergés gentiment durant toute la semaine. On a des bons amis qui ont une propriété à 400 mètres du site de course. C'est rare que ça arrive, c'est même jamais arrivé. Alors, merci à mes amis Juven Derlu de Lyon et merci Dominique. On est ensemble et on en profite. Un des plaisirs de venir en France faire un tournage, c'est les marchés publics. On est à la veille de la compétition de la 1e manche et on fait des petites courses. Vraiment content, j'ai mon fan club qui s'est déplacé de Grenoble. Number 2 affectueusement appelé, qui est Eric et Laurence. On a fait les 4 sacs au Québec et on l'a déjà vu au moins 3 fois dans mes émissions. Comment vous trouvez le Mondial du Quad? Écoute, c'est vraiment une découverte pour moi parce que c'est un sport que je connaissais pas du tout. Alors bien sûr, c'est un sport mécanique et qui se rapproche de la moto. Mais à part en avoir fait grâce à toi et dans ton beau pays, j'en ai jamais fait en France du Quad, tu vois. Et là, je trouve ça vraiment sympa. Très prochainement, je retourne en piste avec Number 2 et le péteux qui est le Number 1. ça sera une prochaine aventure. Alors, merci, mes amis. Et comme dirait si bien ton bon ami, un seul désir... Faire plaisir. Dagada! Fallait que je dise c'est où. Ah! C'est pas le 22, ça start le 21. Cogeco, co... Cogeco. Elle veut que je dise Cogeco. 2005. Non, je veux dire la 1ère édition du salon. Oh, ça va être pire. Quoi, des motoneiges, c'était pas crédible. Patapata patapata. Ah, c'était bon jusqu'ici. Dans 3. Cette semaine, Kimpex vous invite à venir nous voir à la toute 1ère édition du salon national Quoi, des motoneiges 2016.
Ça se déroule le 21, 22 et 23 octobre prochain, ici au Centre Expo Cogeco de Drummondville. Venez nous voir, Martin Rick va être là, l'équipe de Kimpex va être là, il va y avoir des VTT, des motoneiges, un paquet de monde. Ça va tellement être big! Oh, que ça va être big! Que ça va être big! Boy! Venez nous voir! En plein tournage Octane, on est en train de vous préparer les deux dernières émissions de l'année 2016. J'ai déjà vécu deux belles aventures à moto avec Voyage Tradito au Maroc et au Pérou. Cette fois-ci, j'ai rejoint un groupe qui va traverser la Corse, la Sardaigne et même parcourir quelques routes d'Italie et de France. Toutes les émissions d'Octane sont tripantes, mais ces deux-là, faut vraiment pas les manquer. Ça m'est pas arrivé souvent, mais j'ai fait une grosse gaffe au départ. Très chaud, tout le monde arrivait très fort. Ça a touché, je pensais que c'était seulement des pare-chocs. J'ai pété un cardan et pas mal de choses finalement en avant. Je le dis souvent dans mes commentaires, une course, ça se gagne pas dans la première course, ça se gagne quand tu termines ta manche. Donc, a priori, la quatrième manche, ça va pas très bien. Il y a déjà 20 minutes de passé. Et je suis en stand-by, je suis levé avec un cric. Patrick et son collègue sont en train de travailler. Je vais peut-être être capable de ressortir. Et c'est sûr que je vais être sur deux roues motrices au lieu de quatre. Peut-être faire quelques tours en espérant que... ou peut-être d'autres vont briser encore pire que moi. On verra. Pour l'instant, je suis stand-by, prêt à partir. Alors, quatrième manche, capote! C'est important de préciser que c'est pas la faute de la machine, c'est la faute du pilote. Jean-Paul, je pense que tu es paysagiste de métier. On est à l'opposé total. Tu conduis un Maverick sur une piste. Pourquoi, d'où ça vient cette passion-là? D'où ça vient? Parce que déjà, d'une, je suis un passionné de sport automobile, du quad, de tout ce qui est mécanique. Et le SSV m'a particulièrement plu pour me défouler, me vider la tête. Moi, je vais essayer de ne pas me faire taper dedans voilà. Comme la quatrième manche hier, oui. Puis on termine sans beauté. En beauté, hein. Madame Derieux, surnommée Mimi, 83 ans, est venue voir la dernière manche de Martin-Henri Coctane ici, en France. C'est exceptionnel. Merci, belle vie. Tout le monde a enduré et on a terminé. Je sais pas encore c'est quoi le bilan, mais je pense que dans la grosse classe 8, peut-être que je suis sur le podium. Oui, je sais qu'il est là. C'est mon ami, le diable du Québec, mesdames et messieurs, c'est Martin-Henri.
passion pour mes canaux. De l'équipe BRP Can-Am Racing. J'adore les cousins français. On peut dire qu'on est une bonne équipe. Oui, c'est une bonne équipe. Fait qu'il y a des gens compétents au Canada, puis il y a des gens compétents en France. Partout. Après, il faut bien qu'ils s'entendent entre eux. En tout cas, je te dis, j'ai jamais fait ça, mais je vais donner un deuxième saut d'approbation octane pour toi, mon Marc. Merci. Une bonne machine, une bonne compagnie, un bon mécano, un bon pilote, et les résultats sont là. Et c'est le podium. Voilà, pour la gagne. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. C'est fait. Martin, ce qui est bien, c'est qu'avec ton talent, la machine Can-Am, on a pu remettre l'église au milieu du village. Par rapport. Merci. Mondial du quad à Pont-de-Vaux. Check! Je suis Martin Rick, à la semaine prochaine! Toi, tu serais bon avec une petite sauce aux champignons, là, toi, le deuxième par la gauche. Regarde, je vais lui faire ma bise, je vais lui faire ma bise, parce qu'il pilote, mais il pilote comme un dieu, celui-là. Comme un dieu. Mmh.